Francement acquis,
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés du Seigneur, nous sommes au jeudi, jour d'adoration. Oui, et nous voici au pied de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans une action commune, dans une même intention. Nous allons prier en ce soir notre Seigneur, élevé dans la gloire du Père. Nous allons lui confier toutes nos intentions, les intentions de nos frères et sœurs que nous portons. Nous allons intercéder pour notre pays, le Togo, et pour le monde entier. Nous allons demander l'intercession maternelle de la Vierge Marie, notre mère, la mère du monde. Nous allons demander son intercession par cette dizaine que nous allons prier. Ensemble, nous disons notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Ô mon doux Jésus, pardonnez-nous nos péchés, réservez-nous du feu de l'enfer, conduisez toutes les âmes au ciel, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Et par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. À présent, chers frères et sœurs, nous allons, dans une adoration silencieuse, ouvrir notre cœur au Seigneur. Seigneur qui voit la profondeur de notre cœur, qui connaît nos intentions avant même que nous les lui adressons, tu vas répondre à chacun dans cette union de prière, cette adoration que nous allons faire.
Seigneur, daigne exaucer les prières que nous t'avons formulées dans cette adoration. Réponds à chacun selon ses besoins et selon sa foi, la foi qu'il met en toi. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Thank you.
chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Suivons les intentions de la messe. Messe de délivrance et d'invocation de l'Esprit Saint sur sa vie et demande au Seigneur de bénir ses activités, demandée par Paul Marc Sosa. Messe pour le repos en Dieu de Bozona Dominique et les âmes du purgatoire, demandée par Bozona Christine. Messe pour le repos en Dieu de Gadedi Sotosu Benoît et pour le bon déroulement de ses obsèques, demandé par la famille. Action de grâce au Seigneur et protection divine pour Aurélie à l'occasion de son anniversaire de naissance, demandé par sa mère. Messe pour confier au Seigneur une intention particulière. Action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans sa vie. Demande la protection divine pour sa famille et pour le repos des âmes du purgatoire, demandé par Esther Nassif. Action de grâce et protection divine pour elle. Implore l'assistance du Saint-Esprit pour la délivrance d'elle-même, de ses enfants et demande la grâce de mariage, demandé par Théodora. Action de grâce au Seigneur à l'occasion de l'anniversaire de naissance de Imelda. Demande la protection divine pour elle et pour la famille, demandée par Léontine. Messe pour le repos en Dieu de Emma, Cecilia, Situ, Sylvanus, des défunts de la famille Loco, Sanusi, Akono, demandée par la famille. Action de grâce au Seigneur et protection divine pour elle, ses enfants, surtout celui qui est en Italie. Demandé par Aimé. Action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits. Demande la santé à elle-même et prie pour une intention particulière. Demandé par Maman Larissa. Action de grâce au Seigneur pour lui confier ses projets, ses activités. Implore l'assistance du Saint-Esprit. Demandé par une chrétienne. Messe pour le repos en Dieu de Pelou Tende Lambert. Pelou Akara Mathias. Et Langougnon, Magnang, demandé par Pelou Laurent. Action de grâce au Seigneur pour sa vie et celle de sa famille. Demande l'assistance du Saint-Esprit, demandé par Pélagie Mirou. Action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits à lui et à sa famille par l'intercession de la Vierge Marie, demandé par un chrétien. Messe pour le repos en Dieu de Aménie-nous Luxienne et Sébastien, des défunts de la famille Aménie-nous Kiounia et les âmes du purgatoire, demandé par une chrétienne. Messe pour le repos en Dieu de Grégoire, Sylvain, Céline, Jean-Marie, Antoine, Jean-Paul, Marie-Anselme, Thérèse et Philippe Leury, des enfants avortés, des enfants morts-nés et les âmes du purgatoire, demandé par la famille Amoussoun. Action de grâce au Seigneur pour sa réussite au premier semestre. Le confie le second semestre et prie pour une intention particulière. Demandé par Louise Daillot. À ses intentions, unissons les nôtres. Bonne célébration.
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés du Seigneur, comment devons-nous prier? Oh, qu'est-ce que nous devons dire dans la prière? Aujourd'hui, Jésus nous répond. Lorsque vous priez, dites, vous priez ainsi, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. La prière du Notre Père, c'est ce que Jésus nous enseigne aujourd'hui. Alors, chers frères et sœurs, reconnaissons cette paternité divine et prions notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Il est un Père aimant, un Père à nous. Alors, dans cette Eucharistie, nous allons demander la grâce de l'intimité avec Dieu, notre Père, afin de recevoir des fruits en abondance pour notre salut et pour le salut de nos frères et sœurs. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels, puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien, donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi, nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sirac le Sage, chapitre 48, du 1er au 14e verset. Le prophète Élie surgit comme un feu. Sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famine sur les hommes d'Israël et dans son ardeur en fit périr un grand nombre. Par la parole du Seigneur, il ferma le ciel et à trois reprises, il en fit descendre le feu.
comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges. Qui pourrait se glorifier d'être ton égal? Toi qui as fait venir un homme de la mort par la parole du Très-Haut, toi qui as précipité des rois dans leur pète et jeté à bas de leur couche des hommes pleins de gloire, toi qui as entendu au Sinaï des reproches au mont Horeb, des décrets de châtiment, toi qui as sacré des rois pour exercer la vengeance et des prophètes pour prendre ta succession, toi qui fus emporté dans un tourbillon de feu par un char au coursier de feu, toi qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui se sont endormis dans l'amour du Seigneur, car nous aussi, nous possédons la vraie vie. Quand Élie fut enveloppé dans le tourbillon, Élisée fut rempli de son esprit, et pendant toute sa vie, aucun chef ne l'a intimidé. Personne n'a pu le faire fléchir. Aucun événement n'a pu l'abattre et jusque dans la tombe. Son corps manifesta son pouvoir de prophète. Pendant sa vie, il a fait des prodiges. Après sa mort, des œuvres merveilleuses. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Amis du Seigneur, qu'il soit votre joie. 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 Le Seigneur est roi, exulte la terre. Joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées l'entourent. Justice et droit sont l'appui de son trône. Amis du Seigneur, qu'il soit votre joie. Devant lui s'avance un feu qui consume alentour ses ennemis. Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et s'affola. Amis du Seigneur, qu'il soit votre joie. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice et tous les peuples ont vu sa gloire. Amis du Seigneur, qu'il soit votre joie. Honte aux serviteurs d'idoles qui se vantent de vanité. À genoux devant lui, tous les dieux, haïssez le mal, vous qui aimez le Seigneur, car il garde la vie de ses fidèles. Amis du Seigneur, qu'il soit votre joie. Acclamation. Animés par l'Esprit qui fait de nous des fils, nous appelons Dieu notre Père. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés.
Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Si vous donc priez ainsi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous les avons remises nous-mêmes à ceux qui nous devaient. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, à vous non plus, votre Père ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Matthieu, chapitre 6, les versets 7 et 8. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. L'évangile de ce jour, dont je viens de lire encore l'extrait, attire notre attention sur l'attitude et le contenu de la prière. Comment prions-nous? Et que disons-nous dans la prière? Voilà les deux questions essentielles qui nous amènent à l'évangile de ce jour. Notre prière pour atteindre le Seigneur n'a pas besoin de beaucoup de mots ou de paroles, comme il est dit, comme Jésus le dit dans l'évangile. Dieu qui voit la profondeur de notre cœur connaît notre intention avant même que nous lui formulons notre prière. Le plus important, chers frères et sœurs, c'est la prédisposition à la prière et la foi avec laquelle nous prions. La prière est la parole que nous adressons à Dieu. Notre prière devient puissante et a de l'autorité quand elle s'enracine dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous devons connaître la parole de Dieu et prier avec elle. La connaissance de la parole de Dieu, c'est avec la parole de Dieu que nous devons prier. Le monde dans lequel nous vivons a été créé par la parole, le Logos. Jésus-Christ est le Logos, la parole, le Verbe incarné. Ainsi, la prière que nous formulons dans la parole de Dieu produit nécessairement des faits. Jésus nous enseigne également le modèle de prière, le Notre Père. Vous donc priez ainsi, Notre Père qui es aux cieux, Notre Père. La prière dans laquelle nous exaltons la paternité divine et l'autorité suprême de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. La volonté du Seigneur, faite sur la terre, comme au ciel. L'autorité suprême de Dieu au ciel et sur terre. Cette prière nous invite également à l'amour et au pardon de nos frères et sœurs.
y compris nos ennemis. Si nous recherchons l'amour de Dieu et si nous implorons son pardon, nous devons être aussi en mesure de pardonner à notre prochain. Si nous demandons le pardon de Dieu, nous devons être aussi en mesure de pardonner à notre prochain qui nous a offensés. Ce n'est pas facile. Surtout quand certaines offenses laissent des cicatrices à vie. Surtout quand certaines offenses nous marquent. Et pourtant, le Seigneur nous demande de pardonner à nos frères et sœurs qui nous ont offensés. Ah oui, mais c'est justement c'est ce à quoi le Seigneur nous convie dans la prière du Notre Père. Qu'il nous a enseigné, c'est Jésus lui-même qui nous a enseigné cette prière. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Oui, chers frères et sœurs, l'amour de Dieu doit aller jusque-là. Parce que l'amour du prochain, l'amour de nos frères et sœurs, est inclus dans l'amour de Dieu. Celui qui aime Dieu doit nécessairement aimer son frère qu'il voit. Dieu, que nous ne voyons pas, si nous prétendons l'aimer, notre frère que nous voyons, nous devons l'aimer aussi. Ah oui. Et aimer son prochain va jusqu'au pardon. Le pardon de la faute commise, quelle que soit son ampleur. Oui, chers frères et sœurs, c'est souvent difficile, mais le Seigneur nous le demande. C'est une grâce que nous devons demander au Seigneur. Que le Seigneur nous accorde cette grâce, la grâce du pardon des fautes commises contre nous par nos frères et sœurs. La grâce, nous allons demander au Seigneur la grâce d'un cœur miséricordieux, d'un cœur qui pardonne, comme lui-même il est miséricordieux. Comme lui-même, il nous pardonne toujours nos fautes quand nous revenons à lui. Il est le modèle par excellence du pardon. Que l'Eucharistie de ce jour nous aide à pardonner à nos frères et sœurs qui nous ont offensés. Que cette Eucharistie nous donne la grâce d'un cœur miséricordieux, bon, qui pardonne les fautes commises contre nous. Et demandons également l'intercession du prophète Élie, modèle de foi et d'espérance en Israël, dont part la lecture de Ben Sira le Sage, la première lecture. Élie, dont les actions ont été éclatantes. Élie, qui a été marqué par le Seigneur, le prophète, l'un des grands prophètes d'Israël. Demandons son intercession dans cette Eucharistie que nous célébrons. Amen. Revenons l'auto, nous capons sous Christo. Et bébé, ma ou n'y a même vu dans l'évangile de la Jésus Christ, et fiammi Bédodora, gant de cas. Bédodora, il est soyé son tombo, nami, n'y a tant sur les dipos. Mais qu'est-ce qu'il y a de Bédodora? Et n'y a-t-il qu'un miracle dans les Bédodora? Et n'y a même fait un. Il est cool, et bébé, ma ou n'y a. N'y a mis les Dobéra, n'y a tant. Il est dit, on continue comme
ofia dunuva no wo wo lolon abe alike o ne le jiponi lo bi lolon to e jebe le mi ape gbe dodoro mi mi adonku eto nyenye mai ke ma wuni na mi mi aso eto nyenye pe ganyenye ma aso ni enya ti gbanto e ma be ma o pe lolon le veme le mia pa gbe mi munye ke mi o mi ji o eye pe lolon ni veme inu si anu ke mi a bio le ye pe nko mi be se gbe ba bolo mi a pe ti ji vuvo mi a pe susu vuvo ku hi vuvo ya so da si mene eye ko la ke wa we na mi enya ti gbanto e ma enya ti velia ike kristo gbale te gbere ji na mi le ni be mi a aso mi a no bi o pe nu bon ake o abe ale ike mi o nto mi bi ona chocho ke cho mi a pe to ma u gbo ni 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 mi o mi bi o soso ke mi ji soso ke so ma u gbo nu ke o mi mi a no bi o be bo da da iko o do mi a ntia mi ma lo aso ke o no bi no to nu bon lo mi ni et si il y a ni no la fonne ma obe ne so mi ape nu von kemi e le be mi au cha mi au mi ape di o mi mi a de mi no bi o pe vo da dai ko o do mi anti mi a klo da le mi ape a do mi e mi a so a so ke o a le be mi a vo le mi a do ko mi e mi no bi o cha wa po nje je le mi anti le mi no bi o mi vo mi anti a mi lo fa mi a so ke e se un e de na fuga do mi eh obe yado ya nyano biro mvondo ona do mianchi ke e tena do mianchi gbe ale gbe e don to ko yin na agbe ami to keke pe wona ke e no na miaji e mi dena gbe so ti gashe game e ne mi don ko je e benami voga ke e ne nami be nya lo fa nya so ake e ya e kristo le biomi e gbe le pe ma unya me Novi ni a megbeto ne me wa fonde le nu o lo pa na se ake vi ni a megbeto ne me wa fonde le nu o lo pa na se ake lo pa gbe pe ma unya si amea ele na mi be nya aso ke nya no vio e mi a bi oso so ke so mi a no vio gbo le mi doje si be nya dele ya ku mi a no vio do mea mi gbogbo e nya bi e so so ke e mi a lo fa mi a so nya no vio pe evon si ke o odo vo dada iko odo mi a ntia nya so ake o le mi a fo le mi a ro ko me apo to ni pere mi anti ne na mi ejima ike e fatu ike lo anu si anu ike so ake na fa ike gbo ajiri alebe ya te alo fa so ke mi anu bi o eye ne mi so le ke ne mi lo so le ke mi anu bi o apo to acha la so ke mi o tan ne mi bi o mi apo nu von pe to ke so ya ma gbo e kali cha cha ni pere mi anti e mi aga bio nya gbon lila elia ka me nu bebe elia e ke nye ma o bon nya gbon lila gan de kale israel e ke mi se fe nu ti nya oba yi le nke ke ke oba yi me e ke ma o do je si to he e ke ma o so pe a me nu bebe ne e o wo nu o wo nu do aso e nu ehle ba toa e toa si o jina mi vovo pe to ni pere mi anti le gbe be kare si asia mi e elia nepo koko de mi ata le ma o gbo mi abio
les qui va me nouveau noir les tôt là pour les villas pour le coco là pour un commun. Amen. Ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Tu as voulu que nous trouvions, Seigneur, dans les biens que nous te présentons, les nourritures de cette vie et le sacrement d'une vie nouvelle. Fais que nos corps et nos âmes puissent toujours en bénéficier. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire. Je t'offre notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Hosanna, Hosanna.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, de même à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Précieux sang du Christ, purifie-moi. Précieux sang du Christ, purifie-moi. Il est grand le mystère de la foi. Ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Elle a grandi dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Nicodème, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nos tours sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église,
pour que ta volonté s'accomplisse dans l'utilisation de cette paix et conduise la belle unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles, des siècles. Là. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. À notre Dieu, qui a l'air de prêcher ce monde, prends pitié de nous. À notre Dieu, qui a l'air de prêcher ce monde, prends pitié de nous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle serve à l'unité dans ton Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée à tous et à chacun. Merci, mon Père.